toujours bien aimé les maths. On a parfois essayé de m'en faire dévier, notamment quand j'étais au lycée, on essayait parfois de me pousser plus vers la physique-chimie, parce que c'est un cliché qu'on a sur les femmes, et voilà, plutôt les pousser vers ces voies-là plutôt que vers les maths pures. Et moi, je comprenais pas, je me disais, mais en fait, ce que je préfère, c'est les maths, alors pourquoi me pousser vers une voie qui me plaît pas? Donc j'ai insisté, j'ai persisté dans cette voie. Et aujourd'hui, c'est un choix que je regrette pas, parce que c'est ce qui me permet d'être là. Concrètement, en tant que data scientist, je cherche à tirer de la valeur des données des business units de Saint-Gobain. On va discuter avec eux, voir quels sont leurs problèmes. Est-ce que des solutions data peuvent répondre à ces problèmes-là? On récupère leurs données et on cherche à construire derrière des modèles de machine learning, par exemple, ou apporter de la connaissance grâce à ces données. Le machine learning, le principe, c'est de laisser l'algorithme apprendre automatiquement à partir des données. Voilà ce qui s'est produit dans le passé. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme algorithme automatiquement? Moi, ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est que vraiment, on a l'impression de fouiller un domaine un peu nouveau. On va récupérer plein de données et ensuite, on va essayer d'en sortir de la connaissance. Je me sens à ma place parce que je sais que des projets sur lesquels je travaille sont vraiment attendus pour faire avancer, par exemple, la recherche d'une business unit. On est en train de développer un outil et on me dit, mais cet outil-là, on l'attend. Et je me dis, bah voilà, moi je suis là depuis un an et demi et j'ai déjà des personnes qui attendent les résultats de mes projets en disant, là, ça a un super impact. Donc je me sens déjà valorisée dans ce que je fais. Quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que j'ai l'impression que je peux apporter des nouvelles méthodes à des gens qui sont vraiment experts de leur domaine. Et nous, on a des nouveaux outils, donc on doit les aider à se familiariser avec et on leur donne des nouvelles connaissances grâce à ça. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant de pouvoir leur apporter quelque chose à ces gens qui sont déjà des experts de leur domaine. Je suis contente d'avoir suivi ce que j'aimais, en fait, même si voilà, y a des personnes qui parfois m'ont un peu orientée vers autre chose en ayant certains stéréotypes en tête, mais moi je me suis laissée guider par ce qui m'amusait et ce qui me plaisait, et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour se plaire ensuite dans ce qu'on fait.